Alors, c'est la troisième fois, hein, faut le préciser, que l'Allemagne restitue à la Namibie des ossements des membres des tribus Herero et Nama, exterminés au début du siècle dernier, durant la période coloniale. Bonjour Anne Poiret. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes journaliste, vous avez notamment réalisé le documentaire Namibie, le génocide du Deuxième Reich, car ces deux tribus, les Herero et les Nama, dont parlait notre auditeur, ont été victimes de ce que les historiens considèrent comme étant le premier génocide du XXe siècle. Revenons d'abord, avant de répondre précisément à la question de Bangali, revenons tout de même sur les faits. Racontez-nous ce qu'il s'est passé en Namibie entre 1904 et 1908. Alors, il s'est passé que les autorités allemandes qui avaient colonisé ce territoire sont tombées sur une résistance farouche des peuples Herero et Nama et ont décidé, notamment pour le peuple, d'abord pour le peuple Herero, puis pour le peuple Nama, de les combattre. Et dans un ordre écrit qui a été lancé par le général von Trotha, qui était à la tête des autorités, enfin de l'armée allemande présente sur place, a décidé d'exterminer le peuple Herero. Puis le peuple Nama, les nouvelles de ce qui se passait sont revenues en Europe, l'ordre a été arrêté et ces populations ont été mises dans des camps de concentration où la mortalité était absolument épouvantable et des recherches médicales ont été effectuées sur des prisonniers. Des crânes ont été envoyés en Europe et ce sont ces crânes qu'on retrouve aujourd'hui dans ces archives et qui sont remis petit à petit dans une... Effectivement, vous l'avez rappelé, pour la première fois en 2011, on a eu la chance de pouvoir le filmer pour France 5 dans cette première cérémonie qui avait lieu en Allemagne à Berlin pour commencer ce travail de mémoire et commencer ce travail de restitution des crânes. Et il y a surtout pour l'Allemagne une volonté de réconciliation avec la Namibie. L'Allemagne qui reconnaît tout de même sa responsabilité dans ces massacres. Alors c'est très récent. Voilà. Ce qu'il faut bien rappeler, c'est qu'avant 90, il n'y a absolument aucune discussion, puisque l'apartheid est toujours en place en Namibie. Le territoire, après avoir été pris aux Allemands en 1915, pendant la Première Guerre mondiale, a été resté sous influence de l'Afrique du Sud. L'apartheid était en place et donc aucun travail de mémoire, aucune recherche, aucune discussion n'avait eu lieu. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement récent. L'Allemagne, petit à petit, très récemment, commence à reconnaître du bout des lèvres des choses. Le président allemand à l'époque, en 2015, était ministre des Affaires étrangères, il a reconnu, il a prononcé le mot de génocide, c'était une première. Petit à petit, des choses sont faites. Il y a en ce moment des négociations en cours entre l'Allemagne et la Namibie qui sont secrètes. Une des personnes qu'on avait rencontrées pour le film, Zed Gavirwe, qui est un Herero, un descendant Herero, est le négociateur pour la Namibie. Et donc, il y a ces négociations qui sont en cours et qui doivent aboutir à quelque chose, espère-t-on. Alors, vous parliez effectivement de ce ministre qui, en son propre nom, avait prononcé en 2015 ce mot de génocide. Mais pour l'Allemagne, pour la position officielle de l'Allemagne, est de ne pas employer justement le terme de génocide. L'Allemagne, qui n'a toujours pas d'ailleurs exprimé des excuses auprès des Herero et des Nama, pour répondre précisément à la question de Bangali, pourquoi ce refus ? Encore aujourd'hui, plus d'un siècle après les faits. Eh bien, parce que ce que les autorités allemandes craignent depuis le départ, parce que c'est déjà des choses qui ont commencé il y a plusieurs années, c'est que des réparations soient demandées. Il y a eu déjà des demandes de réparation, et donc quand les excuses pourraient permettre effectivement à ces réparations d'advenir. Et ça, c'est quelque chose qu'ils veulent contrôler. Aujourd'hui, l'Allemagne verse de l'aide au développement et considère que ça suffit. Mais ça fait partie des négociations en cours. L'Allemagne qui préfère aider financièrement au développement de la Namibie, et c'est vrai que Berlin dit avoir déjà versé depuis l'indépendance de la Namibie en 90 des centaines de millions d'euros plutôt que de devoir payer des réparations financières qui seront peut-être beaucoup plus importantes.